procurer. Et lui procurer comment? En s'intégrant en amont par rapport aux filières d'agriculture et d'élevage, c'est-à-dire en contrôlant tous les processus de fabrication, tous les processus de la chaîne de valeur, de la ferme jusqu'au rayon. Donc nous avons travaillé cela avec des équipes d'ingénieurs internes et évidemment il a fallu aussi pouvoir apporter certaines preuves de la rigueur que nous émettions et aussi une certaine assurance de ce que nous faisions à nos clients et de ce que nous leur proposions. Donc la démarche est en elle-même certifiée par les organismes internationaux qui assurent et certifient la qualité et la promesse qui est tenue par Margène à travers ces différents produits. Mon expérience avec Margène, c'est tout simplement une grande aventure. Alors, ils ont sélectionné les fournisseurs. J'étais petit, effectivement. J'avais un petit centre d'engraissement. Je vendais beaucoup à des intermédiaires, mais j'avais beaucoup de mal en vendant à des intermédiaires parce que ce n'est pas stable. Des prix qui oscillent sans aucune raison. Alors, leur projet, la première fois lorsqu'il m'a été expliqué en tant qu'agronome, facilement, je me suis adapté et j'ai adopté le projet. On a appris comment travailler, on a appris comment livrer, on a appris comment présenter notre marchandise et on a appris aussi comment être exigeant lorsque vous avez la qualité. Aujourd'hui, grâce à eux, grâce à cette crédibilité qui s'est liée entre nous, et bien sûr, vous avez un réseau bancaire qui croit à ce projet. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un battoir qui coûtait 35 millions de dirhams. J'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup de crédibilité qui a été créée avec ces gens-là.